Bon. Adrien. Alexandre? Oui. Joyeux Noël? Oui. Fait que bonjour tout le monde. Salut! On a un décor différent. Sapin. Adrien a de quoi dans les cheveux, j'ai de quoi sur la tête. On est full Noël. Là. Full Noël. Ouais. Des fois, il y a des animaux qui passent en avant de nous. Ouais, parce qu'on est comme assis face à une grande vitre, baie vitrée, qu'on peut l'appeler. Fait que des fois, il y a des animaux, puis André a de la misère à se contenir dans ce temps-là. Je suis sûr vraiment qu'il y a quand il y a des écureuils, puis déjà bleus, puis on a déjà vu un ours. Il y avait déjà eu un ours chez la voisine. Je pensais que c'était le chien. Non, c'était un ours. Ouais, c'est là que tu te dis, crime, j'aurais pu être dehors. Avec les chats. Juste en train d'être dehors, puis il y avait un ours avec des... Oui, il y avait des cubs, il y avait des bébés. C'était une maman, puis deux petits. Ouais, ça, on sait que c'est pas dangereux du tout. Non, à peine. Ouais. Puis sinon, on a nos chats à l'intérieur qui sont pas habitués au décor qu'on est en ce moment. Fait que... Ça se peut qu'on les entende se battre. Ça se peut qu'il y ait des sons. Puis c'est ça. Ben bonjour, c'est le 23. Oui, 23 décembre. Podcast 7, 8, un de ces chiffres-là. On est à 7. Ouais. Ça avait quand même... Ben, on est quand même pas pire. On a commencé en septembre, puis on a été capable de suivre un rythme de peut-être aux 2-3 semaines. Oh ouais, ça va bien. Ça va vraiment au-delà de ce qu'on anticipait. Bon, merci de votre réponse positive à nos podcasts. Oui, réponse positive, puis soutien, puis ces affaires-là. On est bien contents, on est contents que ça aille quelque part. Mm-hmm. Puis c'est ça, fait que on va continuer. Ah oui. On n'arrêtera pas. Tu voulais pas dire un bonjour à quelqu'un? Oui. Émilie. Oui. Une jeune dame. Jeune fille. La fille à Sarah. La fille à Sarah. Qui... Sarah qui, je ne sais pas. Mais sa fille, Émilie, nous écoute. Puis c'est comme un peu notre fan... Ben, je veux dire notre fan numéro un, je pense. Ben, elle s'est exprimée, exprimée en disant qu'elle était notre fan numéro un. Donc, il y avait sa mère qui ne peut pas écouter notre podcast tant qu'elle n'est pas là. C'est ça. Puis, elle a quand même juste 11 ans. Fait que... Allons-en. Mais c'est parce qu'elle sait qu'est-ce qui est bon, tu sais. Mm-hmm. Allons-en, c'est un enfant, puis les enfants savent qu'est-ce qui est bon. Ouais. Fait que, il faut les écouter. Salut. Bonjour. Oui. Merci de nous écouter, Émilie. Puis... Et les autres. Les autres. Il n'y aura aussi, peut-être pas un shout-out à tout le monde à chaque épisode, mais... c'est ça. Puis c'est ça. Fait que bonjour encore une fois, Émilie. J'ai mis un chapeau juste pour ton plaisir. Puis un chat ici. On n'a pas présenté nos chandails, mais... On a nos chandails de chat de Noël, OK. Tout est un chat qui est dans les guirlandes. Puis moi, j'ai des trois chats. Fait qu'on a tous nos chats, ils sont tous ici. Ouais. Ils sont pas les bonnes couleurs, mais pas grave. Ouais. Moi, c'est We Hiss You, Miaoui, Katniss. Ouais. Puis il y a des grelots. Fait que si vous entendez plein de grelots, c'est moi. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. On commence ça de même. C'est Noël. Elle a ses boucles d'oreilles de Noël aussi, des petits choux. Des choux, ouais. Elle est prête. C'est mes préfs. Elle est prête. Je suis prête. Elle est prête. Ben, les cadeaux sont pas emballés encore. Mais je suis prête. Des cadeaux? De Noël. Pour les autres? Ouais. Ouais. Emballés encore. Nous autres, on n'emballe plus les cadeaux. Mais en fait, Andréane, elle emballe les cadeaux pour tout le monde. Elle aimerait ça encore que ça soit des cadeaux, mais moi, je trouve que arracher du papier tout le temps pour le mettre dans les poubelles, tu sais, l'acheter pour l'arracher, je trouve ça un peu idiot, mais c'est comme... Mais c'est beau. C'est la tradition, je comprends ça, etc., etc. Dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est que quand on a nos cadeaux à nous, qu'on se donne, on les emballe plus, on les cache, on se fait comme une chasse au trésor. Mais dans ma famille, nos familles, surtout ma famille, avec on les amène emballés, là, parce que sinon, on ne peut pas vraiment les cacher. Chez mes parents. Non, mais ça passerait pas. Tu sais, c'est... Il y a un décor. Ben non, mais c'est vrai, c'est le fun d'avoir des cadeaux emballés. C'est le fun de prendre le temps de les déballer. Dire, il y a un décorum, tu sais, il faut respecter les vraies traditions, puis il ne faut pas trop changer les choses. Fait on a le papier... pour les autres, mais pour nous, on se fait une petite cachette avec des petits indices, des mots drôles pour... essayer de savoir Des fois. Pas toujours politically correct, mais c'est ça qui fait que c'est le fun. Pas grave, ça, on le garde juste entre nous deux. C'est juste entre nous deux, ouais, c'est ça. puis c'est ça. Qu'est-ce que t'allais dire? Arrête. On dirait que c'était comme fait une joke.
Oui, oui, ben ça arrive des fois que je fais tes affaires, je me dis « Ah, je peux pas dire ça! » Je le dirai pas. Je peux pas le dire, je vais le garder dans ma tête. Fait que c'est ça. Non, je vais commencer. Ah ouais? Okay. Ouais, je vais commencer okay. Parce que... C'est rare, c'est pas vrai. Mais moi, la star. C'est vrai. Fait que, hey, j'ai fait des affaires. J'ai fait deux affaires. Affaires. Mais comme vous le savez, je suis le roi de la lavette. Le roi, ouais. Le roi de la lavette. Après toi. Ou le prince. Ou le cousin. Le cousin de la lavette? Quelque chose qui est éloigné, là, tu sais. Personne ne le connaît vraiment, mais il fait des lavettes. Quand il est là, il présente des lavettes. Fait que j'ai fait cette lavette-là, qui est ronde, supposée, quand t'as une belle tension. Je dirais octogonale. Ça serait 8, là, il y en a 7, fait que c'est heptagone. Nal. Oui. Puis, dans le fond, je voulais, de Noël, fait que tu sais, avoir, mettons, des couleurs de Noël. Fait que j'ai acheté de la sode blanche et rouge. Fait que c'est deux laines différentes. Deux laines différentes. Acheté chez Laine Charlebourg parce qu'on n'avait jamais été. Puis on s'est dit, on pourrait aller voir de quoi ça a l'air, Laine Charlebourg, puis acheter de la laine chez Laine Charlebourg. Fait qu'on est allé chez Laine Charlebourg à Charlebourg, Québec. Carrefour Charlebourg. Ça, c'est puis, Carrefour. Ça, c'est Carrefour. Ouais. En haut, c'est Carrefour, c'est une okay. Galerie, c'est en bas. Puis, Charlebourg. C'est ça, Charlebourg. Puis c'est ça, acheter de la sode, c'est le fun de la sode, ça coûte 3-4 piastres, puis tu peux faire un projet, puis il t'en reste. Fait que c'est ça, je me suis dit, je vais tricoter deux laines en même temps. J'ai étonné Andréane, on a dit, ah oui, deux laines. Ben, oui. Je me disais que ça allait être épais. Hein? C'est d'épais. C'est d'épais. On sait pas encore si ça récule. On sait pas si ça a fait sa job de lavette comme faut. D'abord, il y a un trou dans le milieu parce que j'ai pris deux laines au lieu de juste une, fait que tout est plus gros. D'abord. Deuxièmement, j'ai appris des choses. J'ai appris à faire des triangles parce que ça, c'est tout, dans le fond, c'est tout des. Mettons ici, fait que ça, c'est un triangle droit là, puis après ça, ça part de même. Fait qu'ici, on a un triangle. Si je peux même le plier comme ça pour vous montrer de quoi a l'air plus mon triangle. Je vais même le replier une autre fois, comme ça, pour vous montrer. Regarde, c'est ça, c'est comme un triangle. Il y en a 7. Puis, dans le fond, tu elle a dit que ça s'appelle des rangs raccourcis. Mm-hmm. Ça fait du sens. Tu raccourcis tes rangs à chaque fois. Tu raccourcis tes rangs à chaque fois. C'est ça. Puis, ça part par là. Fait que c'est ça. Fait que deux lèvres en même temps, j'ai bien aimé ça faire ça. J'aimais ça faire ça parce que ben ça progressait rapidement, je trouve. Moi, j'aime ça que ça progresse rapidement. Puis je découvre que j'aime ça la grosse laine. Fait que tu sais, là, j'ai mis deux laines en même temps, mais j'aime ça. Je trouve ça plus fun. Fait que bref, c'est ça. Tu veux dire plus fun que les bas, mettons? Ouais. Easy as pie. Ah, je suis allé sur Ravelry. Dishcloth, linge à... Je sais pas c'est quoi en français, là, mais dishcloth. Je sais pas pour la recherche si on fait comme genre linge à vaisselle ou guenille. Je sais pas. Dishcloth. On puis, comprend c'est quoi là pour laver la vaisselle. Ouais, puis j'ai pris un gratuit, j'ai scrollé, demandé, j'ai dit, hey, lui, il est pas pire, il est rond, j'ai jamais fait ça rond. Fait que j'ai fait ça, puis ça a donné ça. Il a fallu que je coupe ici, voir là, la couture là, juste ici, couture. On peut le voir ici aussi en arrière, regarde, en arrière, sa cicatrice là est visible. Ça excuse le fait que t'as deux couleurs, on le voit un peu moins. Ouais, j'ai fait de mon mieux. Ouais, ça se perd dans le décor. Mm-hmm. Fait que c'est supposé être rond. Je vais vous montrer parce que le rendu est beaucoup mieux... Avec juste une laine? Mettons ici, là. Comme ça ici. Comme ça, regarde. Rendu. Ooh. Easy as pie de Emily Williams. Fait que c'est ça. Fait que gratuit pis tout. Ouais, c'est cute. Ça me donnait le goût d'en faire une. Ouais. Gratuit pis tout. Puis c'est ça. Fait que j'ai bien aimé ça. On va l'essayer. Je l'ai pas essayé parce que je voulais vous la montrer. Je l'ai fini la semaine passée. Puis je l'ai gardé sèche. Et non, sans tache de bouffe. Fait que that's it. Sod, deux couleurs, deux en même temps, rare raccourci, fin rond. Voilà. Bravo. C'est. Je suis fière de... Je te l'ai dit plusieurs fois. Je suis quand même fière de toi. Ça m'a rempli de fierté. Ça n'a pas l'air de même, mais je suis content. Oui, c'est ma face heureuse, là. Fait que moi, je vais vous parler de ce que je tricote. Je tricote des bas. C'est oui. Toujours ça que je tricote pendant les podcasts. C'est de la laine à rayures, mais à rayures un petit peu plus grosse que ce que je suis habituée. C'est à peu près 12 à...
je pense que c'est entre 11 et 12 rangs par couleur. Puis c'est une laine qui est supposée avoir 12 rayures, qui s'appelle Bingo Jingle de Gage Dye Work. Donc ça, c'est un coloris comme de Noël. Puis j'ai fait 5 couleurs pour le pied, fait que je vais être capable d'en faire 7 pour la jambe. Je pense que ça va être idéal pour la longueur de... pour la longueur de boucle que j'aime. J'aime ça quand même avoir une longue jambe. Puis, ils vont être pareils, les deux. Puis le contrastant, c'était pas la même laine. C'est de la laine, je pense que c'est de la Colorista, qui n'atteint plus, malheureusement. Mais je voulais un contraste de Noël. Puis, je fais des talons toujours Fish Lips Kiss Heel, quand c'est pas un de mes patrons à moi. Fait que, vu que c'est un patron qui est payeur, c'est pas lui que je mets dans mes patrons. Mais sinon, c'est ce que je préfère à faire pour les talons en général. La seule chose qui est, ben, pas plate, là, mais c'est que la laine de Gage Dye Work est vraiment mince. C'est plus mince que ce que je suis habituée d'utiliser. Fait que la laine contrastante pour pour les orteils et talons et tout est plus grosse, est plus dodue. En même ça fait, tu le sens, là, que c'est différent, mais en même temps, ça va peut-être être plus résistant à la longue. J'ai pas compris ce que tu dis. Tu m'as dit écouter ou t'as juste comme spécial? J'ai dit la laine est plus petite. Ouais. La laine. J'aime moins ça. C'est ça que tu as dit. Tu as dit ce que j'aime moins, c'est que la laine est plus petite. C'est... Puis après ça, tu as dit que c'est plus dodu. C'est que la laine principale est plus petite que ce que je suis habituée. C'est quelle la laine principale? C'est cette laine. La laine. La laine. D'accord. Mais la laine de contraste que j'ai utilisée est plus dodue. Ah, de contraste. Oui, fait qu'on a utilisé un autre qui n'est pas Gage Dye Work. Je sais pas. Je pense qu'elle ne fait pas de mini. Pourquoi tu n'as pas utilisé la même laine? Je le savais. C'est parce que je ne savais pas que c'était des grosses rayures. Avoir su que c'était des rayures, justement, de 11-12 rangs, j'aurais été capable de faire... un semblant de bout de pied. D'une couleur unie. J'aime pas ça que ça brise, parce que moins t'as de maille... Je comprends. C'est ça. Fait que j'aime ça avoir de quoi de contrastant. Là, je comprends. Là, tu comprends. Puis, j'ai pas vu sur son site qu'elle vendait des minis. Ben, j'aurais préféré avoir la même base. Ça fait la même chose pour mes bonnes Noël aussi, là. Je pense que dans l'Ouest canadien, ils ont une base qui est similaire. C'est pas la première fois que j'utilise cette base-là. Et j'ai jamais de mini qui vient avec. Je comprends. Bref, on n'a pas les mêmes sûrement fournisseurs au Québec. La plupart des teinturiers, teinturières du Québec vont avoir des bases de laine qui sont similaires. Mm-hmm. Puis là, ben, ils teignent de leur façon. Mais tu sais, le mouton, ou en tout cas, la composition est la même. Fait que tu sais que tu peux les interchanger plus facilement. Et tu l'aimes quand même, cette laine-là? J'aime beaucoup, oui. Je l'ai découvert... ça faisait longtemps que j'avais vu la laine que j'ai présentée pour le système solaire. Je trouvais ça vraiment ingénieux comme principe. Ouais. Puis, à un moment donné, elle avait fait ses couleurs d'arc-en-ciel de 76 couleurs, puis je trouvais ça encore vraiment plus cool. Oui. J'ai commencé à commander de là, mais c'est assez cher quand même. Ah ouais? Ouais. OK. Mais tu sais, la laine à rayures, c'est plus cher, c'est correct. Mais là, c'est sûr que c'est dans l'Ouest et il y a le shipping. Puis un concept. Il y a un concept, fait que ça vaut le coup. Mais là, je me suis inscrite à je pense pas que je te l'ai dit, à faire combien ça coûte? un club de laine, tu sais, un yarn subscription box, genre, quelque chose comme ça. OK. Puis, pour le, genre, c'est janvier, mars, puis avril, entre 3 mois. Ah, gratuit, OK. C'est ça. OK, gratuit. Fait que je vais avoir une laine par mois, une laine pendant 3 mois. Sans frais. C'est le shipping était gratuit. Ah! Même au Québec? Ouais. Par Intelcom? Je sais pas, les autres fois, c'était pas Intelcom. Ah. Je les avais dans ma... Fait que ton stock s'est rendu. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, parce qu'Intelcom, c'est pas nos préfs. Mais c'est pas toujours... Tu sais, souvent, Amazon, ça va être Intelcom, mais ouais. les compagnies externes, en général, c'est plus... C'est soit Puro ou c'est... ben, Post-Canada. Oui. Ça se rend normalement chez nous. Ouais, des fois, ça se rend, puis quand ça se rend pas, ça se rend ailleurs, puis quand ça se rend pas ailleurs, ça se rend chez vous, mais comme à risque, genre, de se faire écraser dans la rue parce qu'ils le laissent dans la rue, ou se faire prendre par un voisin parce qu'ils l'ont laissé dans la rue, ou ils ont juste été livrés pas à bonne place, puis à la pas bonne place, ils l'ont laissé dans la rue, ou... Parce que, ouais, des trucs comme ça, là. Celle-là était livrée finalement chez la voisine, mais la voisine n'est pas proche de chez nous. Puis moi, je ne savais pas. J'ai eu une notification pour dire Intelcom, bravo, vous avez reçu votre colis. Bravo. Mais c'était genre, ouais. Puis tu sais, c'était une journée où j'étais. On a réussi à livrer quelque chose. C'était une journée où j'étais chez nous. Ça faisait 2-3 fois qu'il me disait on n'a pas réussi ou on va réessayer demain. Puis là, j'étais assise dans le salon.
depuis l'après, début d'après-midi, fait que on est là, on est à la maison. Puis là, je reçois ça, je suis comme, j'ai pas vu de camion de livraison, rien. Je sors dehors parce que des fois, il le cache un peu partout. Puis là, je sors, je check. Ah, il y avait pas de colis. Puis là, finalement, je rentre. Puis là, je suis un peu en panique parce que je savais que c'était Malène, puis je la voulais. Puis là, j'ai dit à Alex, qu'est-ce que je fais? Il dit, ben, appelle. Là, j'appelle. J'appelle un telcom, ça me prend du temps. Là, il dit, ah, ben, on a une photo, on a livré. Là, elle me décrit la porte. Là, je suis comme, ben, elle dit, maison brune, porte blanche. Je suis comme, ben, ça peut être chez nous, mais je la vois pas, tu sais. Fait que là, elle m'envoie la photo. Là, je montre à Alexandre la photo. Je sais pas trop. Il dit, ben, c'est chez la voisine. Je sais pas pourquoi il reconnaît la porte de la voisine. Mais j'ai une bonne mémoire. Fait que finalement, je me dépêche, je mets même pas de manteau, je prends mes bas, je descends, tu sais, c'est parce que la voisine, c'est pas de temps à côté, ben ça prend quoi? Je pense que j'ai reconnu l'appel. 5 minutes, tu as reconnu sa pelle. Ah, j'ai reconnu l'appel rouge, elle a une pelle rouge. Puis je vois pas souvent ça, des pelles rouges. Puis aussi, faut qu'on... Je me suis même demandé si j'en avais pas une pelle rouge, parce que j'étais comme, non, c'est peut-être ça. Chez nous. On a comme, tu sais, on a pas beaucoup de voisins ici, tu sais, à portée de vue, là, on a 1, 2, 3 voisins, puis le reste, c'est tout du bois. Fait que, tu sais, c'était le soir, fait que je pouvais pas voir. Lui, ben, on voit. Une souffleuse, elle appelle, elle a une pelle rouge. Oui, mais ça aurait pu être complètement dans un autre quartier. Mettons, il aurait pu le porter. Tu sais, nous, c'est, mettons, l'adresse est 20. Ça aurait pu être 20, une autre rue, là, complètement. Ouais, parce que c'est les arrivé. Les chances que ça soit la voisine. C'est arrivé qu'ils livrent pas les bons colis à la bonne place, ouais. Là. Parce que eux autres, là, ils se fient juste au numéro. Il y a un numéro, là. De tracking. Puis lui, il arrive, puis là, il prend le numéro, puis il le dépose à la bonne place. Même s'il y a un collant qui a une adresse, il contre-vérifie pas l'adresse. En tout cas, le gars avec qui j'avais fait affaire, il avait pas fait ça. D'après moi, il savait pas lire. Fait qu'il a juste déposé ça là. Il a déposé mon colis ailleurs, les adresses par rapport. Puis quand je suis allé le voir, parce que je l'ai suivi, je suis embarqué dans mon char, puis je l'ai suivi. On parle d'une autre histoire. Avec un telcom, oui. Puis il s'exprimait pas bien dans notre langue maternelle. Puis, il me demandait juste un numéro, puis finalement, il s'est comme rendu compte qu'il avait livré le numéro à mauvaise place. Puis, quand je suis arrivé à l'autre place, mon colis était dans la rue. C'est pour ça que je disais tantôt la rue. Puis, ça fait comme deux fois que ça arrive avec eux autres qui font ça, qui laissent mon colis dans la rue. Une fois, pas à bonne adresse. L'autre fois, à ma bonne adresse, mais ils cognent pas. Puis ça, c'est la fois, ça devait être pendant la COVID. Ils ont c'était dit, pendant la pandémie. Ouais, c'est ça. C'est ils ont eu quelque chose de spécial. Là, t'sais, genre, t'sais, ils t'envoient une confirmation que ton colis a été livré, mais c'est écrit avec signature, là, comme il a été signé. Là. Puis là, j'étais vraiment fâché parce que... Un, il a jamais cogné, on n'a pas signé, c'était pas nous. Il a pas cogné, il a pas signé. Puis nous autres, dans ce temps-là, on habitait en Basse-Ville de Québec, puis c'était... Tu sais, notre porte, c'était pas dans la rue, là, tu ouvrais la porte, tu montais des marches, tu sais, il y avait 2-3 apparts, là, tu sais. Mais la première porte était pas barrée, fait que souvent, tu sais, c'était comme une porte d'appart, là, tu sais, dans le sens que, un hall, fait qu'ils pouvaient, souvent, ils faisaient juste ouvrir la porte, le dropper les trucs à terre, au moins, il était en dedans. T'sais. Mais là, lui, non, il l'a laissé dehors, dans la rue, puis c'était très dispendieux, puis j'étais vraiment fâché. Fait qu'il y avait ce fois-là. Puis l'autre fois aussi, c'était quand même dispendieux. Moins, mais quand même dispendieux. Puis il l'avait laissé à terre, sa chaîne de trottoir. Chez nous. En tout cas, peu importe. Bon. Fait que Intelcom, je l'ai pas encore. Mais quand on a une notification que c'est Intelcom, on est comme, on va-tu l'avoir? On va-tu. Ouais, puis là, Andréane, il y a un colis qu'elle a poursu. Moi, il y a un colis que j'ai poursu encore. Ça disait que c'était livré le 14. Finalement, c'est jamais arrivé le 14. Ça dit tentative. Puis ça, là, c'est quelque chose qui me fait chier, là. Tu sais, quand il t'envoie un courriel, là, ou un message texte, whatever, puis ça dit. Tentative échouée, là. Ils ont essayé puis ils ont pas réussi. Tu te dis, hey, t'as pas essayé fort parce que t'es jamais venu. Ouais, t'sais. C'est ça. Puis on. Fais juste dire que t'es pas venu. T'es encore, là, on a parlé la dernière fois, t'es encore en grève, fait que t'es chez nous, là. Tu sais. Ouais. Il y a tout le temps quelqu'un, la plupart du temps, chez nous à la maison, puis on le voit, là. Ouais. Tu sais, on l'entend. Je préférerais un courriel, on n'est pas allé. Ouais, qu'on a essayé. On ils ont a jamais essayé. Là, 3 jours de suite, t'es comme, t'es jamais venu. T'es jamais venu, finalement. Surtout que, mettons, tu reçois un autre colis. De aussi, mettons, Intelcom, mais c'est un autre livreur, puis t'en as juste un des deux. Comme, t'as pas essayé, là. En tout cas. Puis là, t'appelles chez Intelcom, puis te donnes la même information. Tu sais, t'attends au téléphone longtemps pour te faire donner la même information que t'as eue en appuyant sur le 2 juste avant. Puis rentrant ton numéro de tracking, elle a fait la même affaire à l'autre bord, puis t'es comme, tu te demandes à quoi qu'elle sert. Parce qu'elle fait comme toi, dans le fond, elle sert à rien, elle a aucune utilité, tu sais, c'est comme, c'est en tout cas, peu importe. Puis, fun fact, si vous êtes quand même à l'aise à parler en anglais puis que vous avez appelé Intelcom, choisissez anglais, vous allez attendre 15 minutes au lieu de 2 heures.
Ouais, c'est sûr. Ils n'ont pas vraiment de, tu sais, le temps d'attente. Si vous avez à être obligé de parler à quelqu'un puis que vous ne vous débrouillez pas pérennement, ça ne changera rien. Hein? Non, non, mais même si vous appelez, ça ne changera rien. Ben moi, j'ai eu une photo. Quand j'ai appelé, moi, j'ai pu avoir la photo pour savoir que c'était la voisine. Mais tu sais, souvent, le lendemain, la voisine, elle serait venue nous le donner. Mais moi, je voulais là. Ouais, j'attendais ma laine depuis 2 semaines, je la voulais maintenant. Ouais, tu sais, c'est de la laine, fait que tu peux pas juste, mettons, canceller chez Amazon, si tu l'as acheté chez Amazon, puis en recommander, c'est comme unique, si on veut, tu sais, c'est ça, tu sais. Mais, puis c'est ça, peu importe. Là, ça fait le tour d'Intelcom. Ouais, Intelcom, je l'ai porté dans mon cœur, je trouve pas que c'est une bonne compagnie de livraison. Puis, C'est ça, je pense que c'était pas mal. C'était pas plaisant. Toujours pas eu mon colis, d'ailleurs. J'étais allé en recommander un. Il me manque un cadeau de Noël. Je devrais recevoir ça demain, si c'est pas Intelcom. Puis, aussi, c'est bon à savoir qu'Intelcom à Québec, c'est pas ouvert au public. Mais même si ça dit que c'est retourné à l'entrepôt, tu peux pas aller à l'entrepôt le chercher. Mais on sait qu'il est là-bas, mais... Ouais. Puis Andréane, elle aussi, il y a un colis qui a été retourné parce que le colis a été endommagé. Fait que moi, je me dis soit que le camion a fait un accident, le camion a un accident et tous les colis ont été endommagés, ou on habite trop loin puis ils veulent pas venir chez nous parce qu'il y a 3 colis à livrer puis c'est chez nous puis c'est pas assez payant parce que c'est le temps des fêtes, je sais pas, là. Parce que c'est drôle que son colis puis mon colis ils se livrent pas dans les mêmes moments. Dans le même secteur, tu sais, c'est peut-être de la main-d'œuvre qui manque, je sais pas. Mais sûrement pas de la main-d'œuvre parce que Intelcom sont venus pour porter une couple de jours après porter quelque chose d'anodin, là, tu sais, de comme. Fait que c'est comme. Je sais pas, je me disais, il aurait pu mettre nos autres colis dans la van, mais bon. Fait que ça devait pas être le bon numéro. Bref, parfait. Sur une note plus joyeuse. Oui, ben, je parlais de la laine, mais. Il dort, la malène dort, ben elle dort pas, là, elle est comme abritée. Ouais, okay. Elle vit dans mon joli sac de Dolphina. J'en ai vraiment une grosse collection. Je pense que je l'aime beaucoup, Sophie, fait que j'ai beaucoup de ces sacs. Mais j'ai un... C'est ça, les sacs de la collaboration que je parlais pour mon patron de bas de pain d'épices. Il y avait un petit sac qui... exclusif qui venait avec si on précommandait, puis c'est lui. Il est vraiment De pain d'épices. Puis, ben, Sophie m'en avait gardé un. Fait que j'ai eu mon petit sac de Noël. Fait que là, j'ai quand même pas mal de sacs de Noël. Ouais. Puis, continuons à parler de trucs de Noël. Je vais montrer des bas que j'ai finis. Qui ont été portés. Parce que, tu sais, je les porte mes bas, là. Fait que, ils sont un peu sales. C'est les bas qui s'appellent Oh Christmas Tree de Timber Yarn, qui est un coloris de Noël. Puis, je les ai finis. J'ai pas grand chose à dire de plus, là. Je les ai faites longs comme j'aime. Puis, qu'est-ce que tu fais? Je les montre dans tous les angles. Tous les angles. C'est ça. J'ai pas des orteils, talons en fish lips, kissel, puis j'aime bien les côtes 2-2. Fait que c'est ça. Voilà. Premier projet terminé. Deuxième. Deux en droit, deux en vert. J'ai fini mon châle de Noël. Le châle de Baidombari, le Mira. Qui t'aide pas à traverser la rue. Non, c'est pas un chien. Puis, ben c'est ça. Fait que là, on a les zones de canne de bonbons, les dentelles de sapin, les feuilles de gui, puis la grosse section de dentelles de sapin et les cannes de bonbons à la fin. Je l'aime beaucoup, c'est mon châle que je porte ben, comme foulard depuis que je l'ai fini. Je pense que je l'ai fini la semaine passée. Ouais, ça fait une semaine que je le porte. Mais ouais. Je l'aime beaucoup. Puis je l'ai procrastiné juste parce que ben, la période des fêtes était passée. Ah, ok. C'est plus thématique. Non, c'est ça. Hey, les feuilles sont vraiment belles. Moi, je suis vraiment contente. Fait que les couleurs, c'est vrai, je vais les répéter. Je me souviens plus des noms, mais la verte puis la rose, c'est entre Sœur Hélène, puis l'espèce de beige avec des petits speckles, c'est une laine one of a kind de laine masculine singulier. Fait que voilà. Projet numéro 2 terminé. Fait que un sac de vide dans mon armoire de projet qui était aux oubliettes. J'arrête pas d'échapper mon bas. Ouais, c'est quand même, ça arrive. Bon, prise 3. Autre projet que j'ai fini, pour ceux qui ont fait le cal de Gnome de cette année, de Noël, Snow Matter What, de Sarah Shira,
Imagine Landscape, puis vous voulez pas voir à quoi ça ressemble. Fini, c'est un spoiler. C'est ça. Si vous voulez c'est pas être spoiler, faut pas le regarder maintenant. Il y en avait deux! Hop! Fait que, on a un bonhomme de neige, qu'on a commencé en premier. Puis, ah, oh, il a perdu son foulard. Ah oh non, il est là. Puis, un gnome. Fait que, il a comme la misère avec son petit foulard, lui. C'est pas une pipe, hein, c'est un foulard. Okay. Tu pensais que ça... Au début, je pensais que c'était une pipe. T'sais, foulard. Fait que, les deux sont là. Fait que c'est des amis. Ils vont aller rejoindre leurs autres amis parce que en haut de la fenêtre, j'ai une collection de 14 petits gnomes. Donc là, c'est avec mon 15e. Puis, ben, il va aller avec les gnomes, le petit bonhomme de neige. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Tu veux qu'on les couvre ensemble? Hein? Tu voudrais que je les. Ouais, moi, je voudrais qu'elle les couvre ensemble parce que ça soit toujours tous ensemble. Ils sont nés ensemble. C'est des frères. Ouais, on l'a. Tu sais, quand ils sont comme pris ensemble. Là. Des siamois. Ouais, c'est ça. Attaché au hip? Juste par la peau, là. Pas obligé de fusionner des organes. Ok, non, c'est ça, juste. Avoir trois reins au lieu de quatre ou quelque chose comme ouais. ça. Pas ouais, des siamois faciles. Ouais. Comme ça. On est ici. Fait que ça, c'est ça. Okay. Premier projet de Noël de terminé. Ouais. Il était correct cette année. J'aurais voulu une barbe. Ouais, elle est déçue. Parce que c'est pas un gnome quand il n'y a pas de barbe. Ben. Mais, sais-tu, sa ouais. barbe. Elle est en dessous de son foulard. C'est ça, il l'a comme tucké in. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que sa barbe, ça soit son foulard. Ouais, il aurait fallu que la personne qui a fait ce design tricote la barbe, mais après ça, tu la foularises. Mmh. Si bon. Tu écoutes, Sarah. Sarah? Elle s'appelle Sarah Shira. Sarah Shira. C'est sûr que non, là, c'est sûr qu'elle écoute pas. Une beard as a scarf. La prochaine fois. Ça sera plus mystérieux, là, on le sait. Ce qui aurait été drôle aussi, c'est un bonhomme de neige avec une barbe. Puis, ah oui, c'est ça, ce que j'ai pas dit, ben, il y avait comme un indice de plus. On pouvait faire une broderie de flocons sur leur bédaine pour chacun. Je l'ai pas fait. J'aime pas tant ça broder, fait que. Ils sont tout nus. Ben, ils sont pas tout nus. Ben. Ils sont tout nus. S'il y a au moins ça de drôle, ils sont tout nus. Bon. Je continue? Qu'est-ce qui te reste, là? Tu as du stock en masse, vas-y. Ah ouais. Ah ouais. Bon. J'ai commencé J'ai presque fini un tattoo. Que patron de Biden Barry qui n'est pas encore sorti. Ça, comme ça, ça a l'air d'un dinosaure, mais non. Ce sera une licorne. Il va avoir une corne, puis des petits cheveux, puis des petites oreilles. C'est ce qui manque à faire. Fait que faut que ça soit prêt pour demain. C'est un cadeau pour ma filleule. Elle aime beaucoup les licornes. Fait que. Puis, ben. J'ai manqué de laine. Fait que c'est pour ça que ses pattes sont d'une autre couleur. Ça, je dirais pas. Là. Elle va aimer ça, les autres. Mais moi, couleurs. Je vous le dis à vous, mais finalement, j'aime bien ça, d'avoir les pattes. Ouais. Normalement, les bras et les jambes auraient été du rose lilas, du mauve lilas, puis le bout des pattes aurait été de cette couleur-là, la couleur genre rose qui change. Là. Fait que, à la place. Il me reste assez pour faire ses petites oreilles vont être lilas. Ah, OK. Fait que. Ouais. Ouais, ok. Il y a un autre projet, c'est vrai. Il y a un projet que j'ai fini. Tu sais, tantôt, je disais que j'avais le petit sac, Sophie m'avait donné un petit sac, mais moi, j'y ai tricoté des bas. Parce que Sophie, elle ne tricote pas de bas. Elle aime m'emporter, mais elle les tricote pas. Fait que ouais. Je suis comme sa tricoteuse de bas. Puis j'ai fait une autre version de mes patrons, de mon patron de bas de pain d'épices. Les Ginger et Pepsin Christmas socks. C'est une plug. Puis je les ai pas parce que j'y ai donné en fait l'année passée, mais je vais. Alexandre, tu vas mettre une photo à quelque part. T'as peur. Là. Ah oh, non, pas comme ça. Où? Ici. Là. Là. Sûrement que j'en mettrai pas, non. Je voulais juste que tu gestiques. Mais non, si j'en mets une, je vais en mettre une juste ici. Ok. Et peut-être qu'il va avoir une photo de bas. Là. Sinon, imaginez. Dans son front, là, ici, il va avoir une photo de bas. Sinon, imaginez-vous des bas noirs avec des bonhommes de pelipis. Ou peut-être que tu pourrais. L'en faire descendre comme ça? Ouais, comme ça. Okay. Mais non, je le ferai pas. Mais je vais peut-être en mettre une ici dans son front, comme j'ai dit, là. Juste pour rire. J'en mettrai pas où ce qu'a mis ses mains parce que j'ai pas le goût. Puis s'il y en a pas, ben c'est juste parce qu'il était lâche. On verra ce que je fais. Ça se peut qu'elle l'aille dans son front. Si. J'en remonte un autre? Vas-y. Je vais attendre, c'est ça, parce que je vais les échapper. Ben, non, moi je vais. C'est à moi. C'est
À toi? Ouais, à moi. Ça dit oui, pis tout. Ouais. C'est que, là, il y a ça ici. Donc, ça, c'est les bas Andréane que j'ai, que j'ai terminé. Puis, qu'est-ce que je veux dire par j'ai terminé? Non! C'est j'ai terminé de les faire. Tu voulais pas que je les finisse? Non, j'haïs pas les bas du tout. Mais en fait, je me rends compte que les bas, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Puis c'est compliqué pour moi pour commencer. Puis j'ai même pas envie de les garder pour plus tard parce que plus tard, je vais les recommencer si je veux vraiment les faire. Je veux pas qu'Andréane les finisse non plus parce que c'est pas legit. C'est moi qui les ai commencés. Mes bas, ma création. Fait que, comme j'ai déjà dit, mettons, l'épisode hors-série, je sais pas si vous avez vu l'épisode... Je sais pas, ma face est comme, je vais jouer, là. L'épisode hors-série, quelque chose que je disais puis qui est resté, c'était tire sur le fil. Fait que, je tire sur le fil, puis je défais les bas que j'ai commencé avec Andréane. Parce que... Moi, ce que je conclue, c'est qu'il aime pas mes designs. Je me suis beaucoup trop investi dans quelque chose de compliqué. Je suis d'accord. Puis je veux pas qu'elle... Mais je veux dire, je te l'avais dit, mais... Puis je veux pas qu'elle les finisse non plus. Puis c'est ça. Fait que, il va falloir que tu fasses des petites boules, là. Je tire sur le fil, je vais faire des petites boules. Ça se peut que tu jettes tout, hein? Mais non, je jetterai pas tout, je vais faire des petites boules. Fait que c'est ça, pendant que je tire sur le fil, Andréane peut continuer, elle, avec ce qu'elle fait. Oh, je veux plus jouer. Vas-y, Andréane. Ben oui, j'y vais. En passant, elle ne savait pas, hein? Non. Elle ne savait pas du tout. C'est pour ça, tantôt... Tantôt, elle m'a dit, ouais, mon sac. J'ai dit, mon sac, elle dit, ah, ben, tu l'avais laissé à terre. C'est, qu'est-ce que tu veux? Ben, ça, ce que je veux, c'est défaire le bas. Surprise! Mais non, mais le pire, c'est que... Ce qu'il faut dire, c'est que la raison pourquoi j'avais commencé ces bas-là, c'est parce que je trouvais que dans les bas qu'Andréane avait fait, pour moi, je trouvais que c'était dans les plus beaux. Dans ses patrons de bas. Fait que c'est en fait un compliment. Oui, oui. Mais ils sont pas compliqués. C'est juste que je ne suis pas bon. T'es pas prêt. Je suis pas bon. Puis t'aimes pas la petite laine. Je suis pas prêt. Puis non. Mais pas le festival. La... Ouais, non, la c'est ça. Juste grosseur. Vraiment la grosseur de laine. Bon, on continue à détricoter, là. Je te regarde plus. OK. J'ai fini un bas. Bas de l'avant, à rayure automatique de Will Barron, que j'ai parti les orteils. Puis, c'était, en fait, c'est une couleur du solstice d'hiver. Fait qu'il y avait 21 couleurs. La originale. De façon originale, ça arrêtait au niveau du bleu ici, bleu foncé. Puis, on avait l'option aussi d'acheter des minis pour compléter jusqu'à 24. Fait que. Mais normalement, les minis, je pense qu'elle disait de les utiliser, j'avais mal lu, là, pour faire orteils, talons, puis les côtes. Fait qu'un, mettons, j'aurais fait les orteils rouges, le talon vert, puis les côtes orange. Mm-hmm. Mais là, moi, je voulais augmenter un petit peu ma jambe, parce que j'aime ça les bas un petit peu plus longs. Fait que j'ai fait des rayures avec le même nombre de rangs ici. Puis pour la contrastante, c'était une autre... j'avais utilisé la laine de mon châle Mira, le restant. Fait que c'est ça, j'en ai fini un. J'ai un peu triché parce qu'on est le 23 puis j'ai complété un bas. Mais au 21, j'étais à jour. Fait que vu que c'est une laine 21 jours, c'est correct. Puis là, ben, le deuxième, il me manque à rajouter les deux dernières rayures pour faire les côtes. Fait qu'il va être fini à temps. J'aime quand même les couleurs. Je trouve que c'est la première fois que j'utilisais cette laine-là. Puis tantôt, quand je disais que j'avais de la laine plus mince. Celle-là aussi, là, de Will Barron, sa laine est un peu plus mince, comme Gage Eye Work, mais elle vient aussi dans l'ouest du Canada. Je pense qu'elle est en Manitoba, Colombie-Britannique aussi. Mais j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve ça beau. Mais ça fait pas tant Noël, c'est plus hiver, mais je le considère quand même comme des bottes de Noël. Voilà. Parce que ça se passe l'hiver. Parce que je l'ai acheté aussi, puis je l'ai fait à Noël, puis tout. Ouais, c'est ça. Ça rentre dans ma boîte de Noël. Ça va rentrer dans ma boîte de bottes de Noël. Hey, ça va bien ton détricotage? T'as-tu mal au cœur? Un peu. Je me demandais, n'as-tu d'autres personnes qui ont mal au cœur? Moi, ce que je veux, c'est vous faire vivre des émotions. Fait que si vous vivez des émotions. Risque cardiaque à ta fin. Je suis content. Je suis content. Faire pomper le petit cœur. Puis Andréane aussi, je suis content. Continue avec les bonnes Noël, là. En a que je t'écoute plus encore. autre paire de bas de l'avant que j'avais commencé. Celle-là, c'est tout en jacquard. C'est le patron de cette année de l'avant de Nathalie Sheldon ou Remembrance Pottery, quelque chose comme ça. Ah, j'ai trouvé vraiment beau.
que une section par jour. Dans le fond, il y avait 12 sections, incluant les côtes, les talons puis les orteils. Fait qu'on pouvait faire un bas en 12 jours pour faire le deuxième après. Fait que je l'ai... Mais en fait, normalement, moi, ce que j'aime pas avec des bas qui partent des côtes, j'ai hésité longtemps à me dire je vais inverser les chartes puis partir des orteils, c'est que on dirait que je suis jamais capable de figurer combien long ça me prend pour faire le pied avant de faire mes orteils. Fait que là, normalement, il y avait 5 sections sur le pied, mais j'ai pas pu en faire 5 parce que ben, j'étais rendue aux côtes après celle-là. Pas aux côtes, j'étais rendue aux orteils. Le nombre de pas que t'as fait dans la vie, là, tu sais pas, genre, mettons, que c'est 6 pouces, 7 pouces, 8 pouces, tu sais pas? Ou... on dirait que toujours je l'essaye. Mais c'est parce que le problème, c'est que, tu sais, vu que c'est des chartes d'une dizaine de rangs par, ben, tu sais, ouais, j'étais comme un peu entre deux. Okay. Fait que, oui, je le sais à peu près, mais aussi... Un bon jacquard, je prends des aiguilles plus grosses, fait que ça me prend peut-être un peu moins de rangs pour me rendre jusqu'aux orteils. En tout cas, on dirait que je m'y connais. Faut toujours réessayer tout le temps. Okay. Mais bref, j'avais fait une section de plus ici, dans la jambe, parce que comme je disais tantôt, j'aime ça les jambes un peu plus longues, mais finalement, j'en ai fait une de moins pour les orteils. Il y avait un ciel étoilé dans le bout, puis ça disait, tu peux écrire sur un des bas, good night, puis un autre. T'sais, il y avait comme des mots à écrire. Ah, OK. Les plates, je les... T'aurais-tu voulu les écrire? Ben, je l'aurais essayé, je l'aurais fait. T'aurais écrit les noms? Ben oui, je pense que je l'aurais fait. Fait que mon premier est fini. OK. Puis mon deuxième, il me reste une section puis les orteils. Celui-là, je vais vraiment le finir. La section du 23, c'est aujourd'hui. Puis le 24, je vais faire les orteils. Je vais le finir pour le 24. Normalement, là, j'hésite encore parce que il y a un gros problème, un gros questionnement dans ma vie. Là. Je sais pas si je porte ces bas-là. Le 24 chez mes parents ou mes bas de pain d'épices? On a des problèmes de bourgeoisie ici. Qu'est-ce que t'en penses? Vraiment, je pense que les bas de pain d'épices seraient un peu plus classiques, fitteraient un peu plus avec ma robe. Je sais pas. Mais. Je sais pas si on va capable. Je sais pas ce que t'en penses. C'est très, très. Ouais. C'est presque tiers-monde. Ouais, comme je problème, sais. Tu sais, pas quoi porter comme bas. Là. Mais bon, de ceux-là, ma section préférée, c'est la brique. Ouais, moi aussi. Puis je pense que je l'avais montré à Dominique puis à Sophie en fait l'année passée, puis aussi la brique a été le highlight. Mais ouais, ça aussi, c'est supposé être des chiens, mais ça a l'air de des chats, fait que j'aime bien les chats. Mais moi, j'aime bien les genres de plumes, là, les prunes, ça là. Je pense que c'est ça. Hein. Puis les peppermans. Ouais. Je les aime toutes. Fait que, c'est des bobos. Un autre, il dort aussi dans un autre sac de Dolphina. Hein. Puis, t'as-tu fini, là? Non, ben, pas en tout. Presque, là, je suis presque. Mm-hmm. Ouais. On va montrer un autre paire de bonnes Noël. Ouais. Je pense que, je sais pas si je l'avais dit, mais comme vous avez pu remarquer, là, mes projets, c'est vraiment de Noël. Dans le décembre. Noël, genre, je vire un peu folle, mais j'aime ça. Fait que j'ai commencé un autre patron de Noël, qui sont des. Je pense même pas ça que je les ai montrés. C'est des grosses. Ben, des lumières vintage de Noël. Le nom du patron. Vintage Christmas Light Socks de Grey Owl. Comment on dit Owl? Un hibou? Grey Owl. Owl. C'est ça. Ouais. Puis j'avais déjà les petites mini ben, vertes, un genre de jaune. Puis là, j'ai commencé à ajouter du rouge brillant. Il y a du Stellina dedans. Fait que je les avais depuis un an. Puis je me dis, ça me prend. Faut que je fasse de quoi de Noël avec. Puis j'ai demandé à... En fait, c'est toutes des laines de laine pêchée mignon. Puis j'ai demandé à Mélanie de laine pêchée mignon de me faire une couleur de base pour mettre pour le fond. Puis elle a fait sa magie. Puis elle m'a fait une petite laine avec des doux speckles. Magie des fêtes. Mm-hmm. Fait que je trouve que c'est parfait. Fait que là, il me reste la section des lumières, pareil, mais rouge. Puis après ça, sur le pied, il y a des rayures. Celui-là... Au début, je m'étais dit que ça serait mon cast-on ou mon projet d'Arbre de Noël plus jour de l'an, mais je l'ai commencé plus tôt. Fait que j'aimerais ça les avoir finis. C'est sûr, je vais les finir même si on passe la saison, parce que des bas, ça me dérange moins de travailler sur des bas de Noël, même si on n'est pas dans Noël. OK. Et un châle, on dirait que ça me tentait moins. Puis là, je vous ai montré tous mes projets parce que j'ai pas travaillé sur le reste. Ben, le reste. Ma couverte, ma excavation blanket, j'y ai pas touché du tout. J'ai hâte de recommencer, mais je voulais vraiment... Il y avait des choses qu'il fallait que je finisse avant les fêtes. Fait que j'y ai pas touché. Fait que j'en montre pas à pas avancer. Ça commence à être longue.
Oui, ben, la dernière fois, quand j'en ai parlé, c'est ça, elle n'a pas bougé, mais c'est supposé d'être... Elle est longue comme la dernière. Je devrais commencer à diminuer, là. Ouais. C'est ça, je suis rendu là. Puis toi, tu veux-tu que... Juste, veux-tu prendre une pause pour montrer, parce que j'ai plus rien, mon truc? Ah, ben... Ben oui, il y a encore des affaires. Non, j'ai plus rien. Ah, ben, j'ai encore de quoi, moi. Ben, il reste deux choses, ben, il reste une chose. Je veux juste, tu sais, ça va être vraiment réel, là, dans le fond, ben, juste... Ok, tu le bobines pas, tu fais juste tirer dessus. Ah, moi, je sac ça à terre, puis je laisse ça là pendant 3 semaines, là. T'as de la nourriture au chat. Oui, c'est ça, c'est tellement pas ton genre de laisser se traîner. Je vais juste me rendre au bout, tu sais, pour que, mm-hmm. pour que tu vois que je me suis vraiment, je me suis rendu au bout, oui. Jusqu'au bout. Mais je t'ignore depuis tantôt. Hein. Je sais. Oh. Je veux plus jouer. Ah non! Ah, c'est vrai, il y avait un petit nœud là, ici. Pas grave, je vais la garder, ça c'est mon nœud, comme ça. Ça met dans ta petite petit poignet? Puis je vais faire ça comme ça. Ok, mais là, mets-le de côté, là, puis il parle de ce qui te reste. Il te reste ça, puis ben, il reste ça. Ben, il reste celle-là. Ouais. Non, non, il reste ça, puis il reste ça. C'est tout. J'ai parlé, okay. Je viens de parler de celle-là. Ouais. Là, tu vois bien que je suis en train de bobiner. Ben là. Oui, mais c'est toi qu'il faut qu'il parle, ce qui reste. C'est toi qu'il faut qu'il parle. Mais ça, ben, il sort là, la verte. Ah ouais, il sort là. Celle-là, la verte, parle de toi, je vais parler de moi après. Ok, ben, ok. Fait qu'on a eu un... Mais non, mais parle pas de moi, hein. Parle de ta verte. Mais pis, je vais quand même dire qu'on a eu un cadeau qui s'en venait ensemble. On a eu un cadeau de laine simple sorcière. Voilà. Merci Catherine. Merci Catherine. C'était pas nécessaire, mais bien apprécié. Merci. Mais je n'en parle pas. Je la dépose là, puis j'en parle plus. J'ai eu une laine de Noël. Elle s'appelle One of a Kind de Noël. Puis c'est une déco. Je sais, ben je l'avais pas dit. 100% BFL. Alors j'aime ça le BFL en plus. Fait que je vais... C'est quoi le BFL? Blue Face Lester, c'est une sorte de mouton. Ah ouais? Ouais. Ok. Je trouve que ça. Blue surtout... Face Lester. Ouais. Puis, ils ont je pense pas que leur face est vraiment bleue. Sûrement pas, là. Mais bon. Mais ils ont une face plus foncée, là. Mais... Ah ok, ok. Mais faudrait fouiller. Je me souviens pas à quoi il ressemble, le petit mouton. La laine, normalement, mais là, c'est de la déco, fait que je ferai pas des bas avec, là. Ouais. Mais pour des bas, il y a de la BFL. J'aime bien la BFL pour des bas parce que ça. C'est comme un peu plus. Solide, pas solide, ah, mais oui. Plus il y a vraiment rough une différence dans la texture. Que du mérino, ouais. Ok. Et je n'ai pas, là. J'ai mais, fini. Mais j'aime bien le BFL, fait que c'est Noël. Je sais pas, ça va être sûrement une tuque ou je vais faire de quoi avec, c'est ça. Merci moi, je suis content parce que moi, je la connais pas. Je la connais pas, simple sorcière. Je la vois, mais je ne la connais pas. Fait que je suis content que j'ai été inclus. Ben oui, à thème full. Tout le monde t'aime. Moi aussi. Puis, simple sorcière, merci encore. Catherine. On se connaît vraiment pas. Puis, c'est la couleur Dijon. C'est très Dijon, là. Ça pourrait être... Elle aurait pu me l'avoir donné dans un pot, là. Tu sais, ça aurait été correct. Puis, c'est coton, puis du lin. C'est quoi le pourcentage de chaque? 60-40. Lequel est quoi? 40 lin. OK. Puis, c'est ça, dans le fond. Elle est petite, j'ai jamais... Tricoté. Ben, c'est de la grosseur à peu près de laine à bas. Excuse-moi, je vais juste ça a l'air d'être ça. Le métrage. Ah oui, 100 grammes, 400 mètres. Ouais, c'est une grosseur à laine à bas. Ouais, puis je vais faire une lavette parce que c'est du coton. C'est fait pour ça. La texture est assez coton. Là, tu sais, elle est assez. J'ai envie de laver des choses. Mais quand même puis, douce. Mais douce. Ouais, c'est ça. Elle est douce, mais tu sais qu'elle va te sécher les mains comme il faut, tu sais, mec, tu vas la tricoter. Puis là, elle est petite, fait que ça va me prendre. Plus de temps à faire une lavette avec. Mm-hmm. Deux fois plus de temps. Parce que t'es rendu deux fois meilleur, fait que peut-être que ça quand même pas. Ouais, peut-être. Peut-être. Je suis vraiment content, puis j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que je vais faire avec. Je sais pas ce que je vais faire avec. Si je vais-tu faire une lavette standard ou en vrai, j'aimerais... Ouais, ben c'est ça, j'allais dire. Moi j'aimerais ça savoir. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà tricoté ce mélange-là. Et un linge à vaisselle, tu sais, pour essuyer la vaisselle, ça marcherait-tu ou ça serait pas sa job? C'est ça qu'on se demande, parce que là, je fais des trucs pour laver, là, tu sais. À un moment donné, on va en avoir assez. On va laver comme il faut, fait que là... Pour essuyer aussi. Pour essuyer, c'est comme ça. Des fois. Être vraiment bon, là, tu sais. Pour essuyer, ouais, c'est ça. C'est pas la force. Fait que je me demande, c'est quoi tu prends, ça se fait-tu d'abord, ça se fait-tu? C'est juste en tissage, tu sais, parce que tu peux, tu sais, on a pas de truc à tisser, la machine, de métier à tisser. Pas de métier. Mais c'est ça, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais faire avec, là, si je vais faire de quoi de spécial ou si je vais juste faire
une lavette. Une lavette. Mais tu peux faire normal, comme, ou... t'as assez de laine pour faire plusieurs lavettes. Ouais, c'est ça. Ben, puis ça, c'est une, 100... leur linge à vaisselle aussi. Ben, si c'est 100 grammes. Ouais. Une lavette, ça me prend genre 40 grammes. Oui, mais 40 grammes quand c'est un plus grosse. Mais là, il est plus petit. Ah, c'est ça. Chaque. Ça se peut que ça t'en prenne moins. Ah. Oh. Ouais. Moins? Ouais. Mais plus petite, ça m'en prend plus. Ben, tu vas prendre des plus petites aiguilles, elle est moins lourde. Si je fais. Si ça, je casse. Ça va sûrement être équivalent. Ouais, c'est ça. Je me dis. Ah, ok, 40. À peu près. Ah, ok. Ouais. Ah. Je pense. Ok. Si... On verra. Parce que je me tire. C'est en congé, hein, je calcule pour si, vous. Si je castonne avec ça 40 mailles ou que je castonne. 40, ça va être trop petit. Si tu castonnes 40 mailles, ça va être à peu près. Exact. Mais si je castonne 80 mailles, ça va être comme si je castonne 40 mailles de deux. Ben, si c'est vraiment une règle. Si c'est équivalent et que ça te donne la même dimension, oui, tu vas être avec 40 grammes. Tu vas avoir à peu près le même poids de laine. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est différent parce que là, c'est un mélange. Fait que, tu sais, 40. Je comprends que des grammes, c'est des grammes, mais des fois, le métrage peut varier. Tu sais, ouais. Est-ce que ton. Mais est-ce que 10 grammes de briques est équivalent non, à 10 grammes de plumes? Oui, mais c'est pas. C'est ça la question. C'est pas ça que je veux dire, c'est que il y a le grammage, mais oui. Aussi le métrage. Oui, je comprends. Voilà. On verra. Grâce bref, on verra. Mais la question du jour, c'est on peut-tu tricoter des linges à vaisselle pour sécher la vaisselle? Si ouais, oui, ça se fait-tu? Ça sèche-tu? Déjà fait. On veut pas juste que ça soit beau, on veut que ça sèche. Ouais, puis si vous l'avez déjà fait, avec quoi vous avez tricoté ça? Sûrement pas de la laine de Mérino. Ça séchera pas, ça. Fait que c'est ça. Fait que merci encore, Catherine, oui. De Simple Sorcière. Mm-hmm. Les laines, Simple Sorcière. C'est une compagnie de laine. C'est écrit ici... Je vais montrer tantôt. Il y a un... Ah, ouais. C'est vrai, je suis en train de finir de détricoter le bas. Tu veux te montrer ton ce que ça a donné, ton détricotage? Tu veux que je montre ce que ça a donné? Oui. Okay. Montre que tu l'as vraiment fait. Ça a donné ça. Puis l'autre affaire, il est où? Ah, ben il est encore attaché à, ah, okay. À sa plotte mère. Ouais. Voilà. Bon, c'est fait. Il l'a fait pour vrai. On l'oublie, on le range, on ferme nos yeux. On l'oublie, on le range, mais je vais en le remontrer encore une fois. Ça, c'est ce que ça aurait été supposé donner. Ouais, je peux avoir mon bas maintenant. C'est, comme je vous dis, moi, c'est un des bas qu'elle a fait que j'aime vraiment beaucoup. Pour sa texture de dessous de pied, je la trouve vraiment belle, la texture de dessous de pied. Platissimo. Oui. Pas ça dire plat, c'est comme quoi. Puis, j'aime bien, j'aime la mosaïque, j'aime tout ça, je le trouvais vraiment beau. Mais pour moi, c'est beaucoup trop de travail. Pour là, pour l'instant. Mm-hmm. Fait que, mais pour Andréane, ça prend 2 jours faire une paire. Non, c'est quand même plus long. 3 jours faire une paire. Fait que, ouais, fait que c'est quand ça. Même plus long. Fait que je vais prendre les mini puis les mettre dans ma couverte. Oui. OK. Puis. C'est positif d'avoir des tricotés. Ben, j'ai ça. Oui, c'est ça, il manque juste ça. J'ai fait ça. Wouh! Une lavette. De Noël. C'est une lavette de Noël. Dans le fond, Andréane, elle m'avait acheté de la laine de Noël qui. Sugar and Cream. Sugar and Cream. Oui. C'est ça le nom de la compagnie. OK. Je pense. Ça se peut. Sugar and Cream. Où t'as acheté ça? Chez Les Escomptes Le Compte. Ah, ok. Brico Déco, le compte. Puis, dans le fond, elle avait de la genre de laine à récurer dedans, vous allez voir, là. Où je vois pas bien. Ok, parfait. Tu sais, vous voyez, comme texturé à récurer. Fait que, dans le fond. Ça alterne de section ouais. Coton, puis coton chemu-chemu. Ouais, c'est ça. Puis le coton chemu-chemu, il est pas le fun à tricoter. Parce qu'ils auront plusieurs brins, hein. Ouais, c'est, tu sais, t'as tricote pis tu le vois pas, mais au prochain rang, tu te rends compte que t'as oublié un brin parce que t'y vois pas les brins. Fait que tu y vas au feeling, là. Tu piques pis tu y vas au feeling. C'est pas super, t'en as pas une peu échappé. Non. Non, mais ils auraient pu, parce que c'est vraiment, honnêtement, c'est pas évident. C'est comme quand tu tricotes de la laine bouclée ou des choses comme ça. Ouais, non, c'était pas facile. Les sections-là, ça me ralentit un peu. Pis la laine est comme plus mince. Tu sais, c'est comme. Ouais, c'est. Plus tight. Ben, plus mince pis c'est comme son épaisseur se fait avec le fluff-fluff. Oui, comme... c'est ça. Fait que la tension que j'avais sur ma main était... Différente? Oui, c'était moins agréable. Mais ce qui était correct, c'est que c'était pas long. T'sais. Tu faisais 5 rangs à peu près. Pis... C'est motivant, le changement de couleur? Ben, c'est parce que... Il est en train de dire qu'il aime ça. Ouais, c'est parce que j'étais en train de dire que j'aime ça, ben j'haïssais ça, tu sais. Ah, OK. Ben, OK, c'était pas le changement de couleur, mais plus de pas faire cette texture-là. Ouais. Okay. Mais moi, sinon... ma section préférée, c'est ça. Excuse. Le plein de couleurs. Le plein de couleurs, ouais. Oui.
Mais ouais, puis c'est juste tricoté à l'endroit, là, j'ai rien fait de spécial. Mais j'ai quand même aimé ça. Ouais. J'ai aimé le changement de couleur. Yes. Ce que j'aimais du changement de couleur, c'est que ça me disait t'approches de la fin. Mais c'est ça. T'approches c'est de la fin. C'est motivant. C'est ça. Ouais, mais toi, t'es comme excité de voir la nouvelle couleur. Aussi, mais aussi. J'étais pas excité de voir le rouge, tout ça. J'étais content d'avancer. Mais c'est ça, fait que je suis bien content. J'ai hâte de récurer avec. Je peux pas attendre. Faut que je mange pour pouvoir laver des choses, tu sais. Mais tu pourras pas, c'est un cadeau. C'est un cadeau? T'es-tu sûr? Je suis plus sûr. C'était pas un cadeau? Peut-être. Je sais pas. En tout cas, si la personne que peut-être va recevoir le cadeau écoute le podcast, c'est pas un cadeau. Mais cette personne-là, c'est pas c'est qui? C'est pas un cadeau. Si cette personne-là en question pense que peut-être ça sera un cadeau, parce qu'Andréane a dit que c'était peut-être un cadeau, mais Andréane, elle se trompe. Mettons. C'est pas un cadeau du tout. C'est peut-être pour moi. C'est peut-être pour elle. C'est peut-être pour moi. On verra. Fait que c'est ça, l'aide de Noël. Tricoté à l'endroit, puis c'était le fun. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça aussi faire celle-là. Puis je vais en faire d'autres, des lavettes. Hein? J'aime ça faire des lavettes. J'aime ça faire des lavettes, mais j'ai découvert avec ça, puis je l'ai dit tantôt, mais je le redis, j'aime la grosse laine. Mm-hmm. J'aime quand ça va vite. Mais c'est ça. T'aimes le instant gratification. J'aime la gratification instantanée. J'aime pas ça attendre. Puis. Mais c'est fun quand c'est quand même assez simple parce que tu peux faire autre chose en même temps. Ouais. Mais là, je commence à être mieux pour ça, là. Tricoter et regarder, là. Mais j'aille ça parce que je sais pas s'il y en a qui écoutent le podcast qui sont spécialistes des yeux, comme mettons des optométristes ou des trucs comme ça. Des experts, faudrait dire. À cause du focus? Mais je pense vraiment que c'est pas une bonne chose de tricoter puis de regarder la TV. Puis tricoter puis regarder la TV. Puis je pense vraiment que c'est pas bon pour les yeux. Mais moi, je suis pas sûre que c'est pas bon. Parce que je me dis que justement, c'est bon de c'est comme un exercice pour les yeux. Tu sais, que tu vas avoir un focus proche, un focus loin, un focus proche, un focus loin. Peut-être. Parce que, tu sais, avec ma commotion, là, j'ai eu un exercice à faire au niveau de changer le focus. C'était proche, loin, ouais. Pour essayer de renforcer mes... Puis... Ben, peut-être. C'est peut-être bon, finalement. C'était un exercice qui était fait pour ça. Fait c'était pas regarder la télé, regarder de proche, là, mais... Ouais, je sais pas. Mais je dis ça de même, je lance la question s'il y a des experts en yeux. Je me trompe, peut-être. Je suis pas l'expert en yeux. Moi non plus. Puis c'est compliqué les yeux. C'est un organe. Hein? C'est ça. Plusieurs fonctions. C'est ça. puis c'est ça. Ben écoute, moi, je pense que j'ai plus rien. J'avais juste ça qui était accroché après les bas. Ça, c'était après les bas. Juste pour dire, ça, c'était après les bas. On se l'est fait donner. On l'a déjà dit, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je me souviens plus de son prénom, mais c'est une des filles de. La compagnie Mitaine Croquet, qui ont un podcast, mais ils ont aussi ils font de la laine. Puis le elle avait fait ce petit dinosaure-là en pensant à nous. Pour nous autres, parce que c'était un dino, l'image de Noël. Pas de Noël. Je veux juste dire de Noël tout le temps. De Noël. Un dino, pas de Noël. Ouais. Ouais. Okay, c'est pas mal ça. Moi, j'ai rien d'autre. Qu'est-ce qu'on fait pendant le temps des fêtes? T'as-tu des projets J'espère rien. T'as-tu des projets de tricot? Toi? Non. Non? Ben, je vais sûrement me partir une lavette. Là. OK. Mais après la lavette, t'as-tu... Tu sais, mettons, tes buts pour l'année prochaine. T'as-tu des... t'sais, tu t'es-tu mis des... Ben, je fonctionne pas comme ça, là, mais... C'est au jour le jour. Mettons que je fonctionnais de même, je dirais que je vais faire beaucoup de lavettes. OK. Parce qu'elle me permet d'essayer plein d'affaires. Ouais. Fait que tu vas faire des lavettes différentes. Si, à un moment donné, je me fais un chandail... Ça va être une très grosse laine, ouais. Dans le fond. Ouais, mais ça te tente-tu de faire un chandail ou t'aimerais mieux faire une d'autres tubes? J'ai envie d'être confortable dans la très grosse laine. OK. Puis. J'ai-tu envie? Je sais pas, tu sais. Il n'y a pas quelque chose que tu dis, j'ai vraiment envie de faire ça ou. Non, c'est ça. J'étais pas. Tu sais, j'étais pas dans un mood. J'ai hâte que l'école finisse, là. Mm-hmm. Tu sais, genre, c'est bien cool, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme, mettons, une grève, là. Tu sais, quand t'es un élève, une grève, ça veut dire des congés, là. Mais tu sais, je suis plus au secondaire. Ouais, c'est ça, t'as besoin que ça finisse. Moi, je vais à l'école parce que je veux que ça finisse. Là, mm-hmm. C'est comme je suis en train d'apprendre des affaires. Là, je suis pas en train de. C'est pas le passage obligé. Là. Ouais. Fait que j'ai hâte que ça reprenne pour finir. Comme ça, quand ça va être fait, je vais pouvoir penser à autre chose. OK. Là je suis en stand-by. C'est parce que je suis en stand-by. OK. Tu sais,
Tu sais, c'est quoi être en stand-by? Tu sais, quand t'attends après quelqu'un, là. Tu sais, mettons, c'est comme, mettons, c'est ce que j'aille plus. La personne a dit, je vais être chez vous à 1 heure, puis à 3 heures, elle est toujours pas là. Le texte va dire, finalement, ça va être demain. Eh, non, non, non. Ça te change d'amis. Mais des fois, c'est mettons, une livraison. Ah. Non, non. Il n'y a rien de pire que d'attendre. Là, quelqu'un qui vient t'acheter quelque chose sur Marketplace, non. Ouais. Puis là, tu sais. Attends. J'étais beaucoup en attente parce que durant la grève, ça disait, puis l'école nous l'a dit aussi, si ça se règle, mettons, le lundi, le mardi, vous avez de l'école. Fait qu'il fallait être, faut rester à l'affût de qu'est-ce qui se passe parce que ça se peut que je me lève le lendemain puis que j'aille de l'école. Ouais, finalement. Toi, au moins, c'était le soir, là, tes cours. Fait qu'en même temps, au moins, c'était pas comme, fallait que tu te lèves à chaque matin à 6 heures pour être peut-être à l'école, là. Non, 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 mais c'était plus comme, c'était plus l'attente, là, de devoir penser à checker tout le temps, puis pas savoir trop qu'est-ce qui se passe. Là, ben, c'est la même chose, tu sais pas plus, pas réglé, là, fait que ben là, ça sera pas avant au moins le 8 janvier, je pense, mais je sais pas si le 8 janvier, ça va recommencer, tu sais, j'ai un feeling qu'on verra, mais, c'est mais j'ai hâte que ça soit fait, que ça soit fait, que ça soit fini, que ça soit en arrière de moi, puis que je puisse dédier plus de temps à vraiment... C'est prendre la laine puis la mettre dans mon cerveau à la place. Ouais. Puis, la mettre dans mon cerveau, direct dans le cerveau. Puis avoir plus la tête à apprendre plus de principes puis, puis ces choses-là. Et j'apprends quand même au travers. Oh oui, mais t'as pas la tête à ça. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je te demande ça, puis j'ai pas. Je suis pas vraiment le genre à planifier. Il y en a qui vont faire des make nine ou des... T'as-tu déjà entendu ça, make nine? J'ai rien entendu jamais. Okay. C'est, mettons, ils se font comme un, je vais dire un mood board, là. Fait que t'as comme souvent 9, je sais pas pourquoi 9, mais souvent parce que c'est beau dans un carré, là. Fait que 9 projets que tu veux faire pendant ton année. Okay. Mais comme, mettons, il y en a plein qui vont sortir des émissions de podcast, là, justement, qui vont dire mon make nine pour l'année prochaine ou qu'est-ce que j'ai fait pour l'année. Moi, je trouve que c'est bien trop... De planification. Mais aussi parce que souvent, j'aime... Je trouve quelque chose de beau, puis je veux le faire. Puis sinon, la seule chose que je vais planifier, c'est mes designs. Okay. Puis même à ça, je trouve ça difficile de planifier d'avance les idées de design, parce que je suis genre à recevoir de la laine, puis de dire « Oh mon Dieu, je vais faire ça avec! » Mais il faut quand même que je planifie, parce que je me rends compte que, mettons que tu veux designer quelque chose pour l'été, ben il faut pas que tu le sortes en août. Il faut que tu le sortes genre en avril. C'est sûr que quand tu designes... C'est ça. Puis ce que j'aime... C'est ça. Planifier, ça, c'est pas mon préf, mais en même temps, j'ai comme pas le choix pour ça. Pour pas être dernière minute puis à la course. Puis, Ça dépend c'est quoi. T'sais, moi, je pense que, mettons, dans le milieu de la laine, tu devrais planifier Noël. Ouais, il y a déjà... Planifier Noël. Il y a déjà une idée pour Noël prochain. Puis... spoiler. Peut-être planifier les fêtes, là. Ouais. T'sais, comme des fois à la Saint-Valentin. Tu devrais juste te dire... Je veux-tu faire quelque chose ou non? Mm-hmm. Si oui, bon, ben ok, planifie-les, sinon on laisse faire. Ouais. Puis je trouve que ça enlève de la spontanéité. Puis quand tu commences des projets, puis là, tout à coup, tu as une idée, tu es comme, ah, j'aimerais ça faire, mais je peux pas. Puis là, ça attend, puis ça attend. En tout cas, moi, je suis pas comme ça. Moi, je préfère avoir une idée. Même aussi. Puis quand j'ai une idée, je le fais là. Puis c'est à ça que je pense là, puis je veux le faire maintenant. Fait que je le commence. Puis sinon, le côté créatif, mais je suis d'accord avec toi, puis c'est comme ça que je fonctionne la majeure partie du temps. Et là, je me rends compte justement qu'il y a des choses qui, soit, que j'ai pas le choix de planifier d'avance parce que soit il faut que je reçoive la laine, il faut que oh, que ben je oui, il y a de la collaboration des fois. Puis ouais, il n'y a pas juste de mon ressort, mais en même temps, si c'était juste de moi, j'irais comme, OK, idée, puis je le sors tout de suite, mais il faut faire tester. Il y a comme plusieurs étapes qui fait que ça ralentit le processus, puis il faut que tu y penses d'avance. Fait que c'est surtout, des bas, des accessoires, ça se teste vite, ça se fait vite aussi. Ouais. Mais un chandail, tu sais, il faut quasiment... Mettons que je voudrais sortir un chandail pour cet été, il faudrait que je le commence maintenant pour pouvoir le finir, le faire tester. Tu sais, c'est un long. Ouais. Je comprends. Je comprends. D'un point de vue designer, c'est différent. Ça bloque un peu la créativité. Fait que c'est un peu... Dans ce sens-là, tu designes juste des lavettes. Si tu deviens un designer de lavettes, tu deviens Madame Lavette, Monsieur Lavette. On prend Monsieur et Madame Lavette. Tu vas être Monsieur Lavette, moi. Pas que ça m'intéresse pas, là. Oui, ça m'intéresse moins. Ouais, ça va vite. J'aime ça va vite. Mais bon. Je vais en faire avec de la bold key. Là. De la bold. Je vais en faire une avec mes mains. Ouais. Mais, je pense que ça fait le tour. Hein, pour aujourd'hui. Ouais, ça fait vraiment le tour. Vous pouvez nous dire si vous êtes du genre un peu plus, j'allais dire comme moi ou comme Alexandre, mais non, on a la même façon de voir les choses. Êtes-vous plus à prévoir vos projets d'avance, là, ou faire justement une revue de l'année, puis tout planifier votre année, puis être très, très structuré?
ou un petit peu plus à l'improviste comme d'autres, je sais pas. Ouais. Je pense que le monde sont plus à l'improviste en général, mais je me trompe peut-être. Peut-être. Puis aussi, dans le temps des fêtes, qu'est-ce que vous faites? Puis êtes-vous content de ce que vous faites? Moi, ouais, je trouve tu ça drôle parce que... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais... Genre les activités ou ouais, les passe-temps? Ouais, les activités obligatoires. Tu sais, c'est drôle parce que le temps des fêtes, c'est comme... C'est comme... tu sais, c'est obligatoire. Tu sais, c'est comme... La fête est obligatoire, puis voir le monde, c'est obligatoire, puis t'es pas obligé de pas voir le monde. Mais c'est obligatoire. Ouais, oui. Il y a, tu sais... C'est vraiment mal vu, là, si, si tout le monde, c'est comme ça. Il y a personne qui dit, ouais, non, moi, cette année, ça me tente pas d'aller chez vous, tu sais, pis. Ah, non, c'est sûr que si tu te fais inviter, tu comprends, tu sais, mais, qu'est-ce que tu fais pendant le temps des fêtes, pis. C'est beaucoup de, tu sais, d'activités. Nous, on est quand même. Tu sens votre satisfaction est où? Nous, on est quand même limité au niveau des activités familiales, où, tu sais, on a quelque chose, quelques trucs, mais on n'est pas bookés, genre, tous les jours. Pis, moi, ça me satisfait, là, parce que j'aime ça, justement, tricoter, jouer à des jeux vidéo. Faire des casse-têtes. C'est ça, c'est ici, comme un moment de plus de détente, mais j'entends tellement de gens souvent dire la période des fêtes, ci pis ça, pis des affaires, pis tout le reste. Je me dis, mais fais-les pas, tu sais. Ouais, mais tu viens de le dire, c'est difficile à cause des obligations. C'est un peu des obligations. Ouais, c'est ça. Le pire, je pense, c'est les familles recomposées. Ah oui, au moins on est chanceux de ne pas avoir ça, tu sais, que ce soit pas 4 Noël. Ouais. Parce que ça aurait pu. Plus les amis. Ouais. Genre, un avec les amis, mais j'espère pas cette gang d'amis-là, mais l'autre gang d'amis, pis t'es comme genre, tu le sais pas si tu vas avoir assez de dates, mais là, c'est la fête. Si c'est trop, pis là, t'es tanné rendu à la fin, là, tu sais, t'es tanné de manger pis de boire, là. Ben, c'est ça, c'est la fête, fait que t'es pas obligé, mais tu sais, ceux dans la vie qui boivent de l'alcool, ben, c'est comme, ben, je vais boire de l'alcool aujourd'hui, pis je vais en boire demain, pis je vais en boire, tu sais. On va trop manger et mal dormir. Pis là, t'es comme. On parle comme des vieilles personnes, mais on a de la misère à digérer, fait que. Non, mais c'est pas d'un point de vue négatif, c'est vraiment un point de vue d'observation. Là, je sais pas, je suis curieux. OK. J'ai une simple curiosité, je suis pas en train de chier sur tu fais tout ce que tu veux pas faire. Mais non, je sais bien. C'est juste je suis curieux de voir le niveau de satisfaction du temps des fêtes. OK, sur une échelle de toi t'es on a scale of 1 to 10 ou 0 à 100, 100% en pourcent? C'est beaucoup 100. Non, mais en pourcentage. Satisfaction en pourcentage. Ou satisfaction sur 10. Qu'est-ce que tu veux que le monde te réponde? Sur 100. Sur 100? OK. Fait que 100%, genre, c'est ta best life. Satisfait. OK. 0%, je suis vraiment insatisfait. Puis, 50, c'est ça. 50, je suis correct. 50, c'est correct. Ça passe. Puis, c'est ça. On espère pas manquer de courant cette année. L'année passée, on a manqué du courant, puis c'était vraiment plate. Pendant 5 jours. Pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, j'étais supposé de faire God of War, le dernier, sur PlayStation 5. Puis, je m'étais prévu ce temps-là. On a perdu du courant. Il tricotait pas encore, hein? Fait qu'il y avait pas... Puis même à ça... Pas de courant, là. Puis nous, au moins, on a la chance d'avoir un foyer au bois. Fait qu'on a été capable de rester chez nous. Au chaud. Au chaud. Mais ça implique, on a aussi la malchance. On a un puits artésien, fait qu'on n'a pas de courant, on n'a pas d'eau. On n'a pas de génératrice. Non. Fait qu'on a charroyé de la neige. On a fait fondre de la neige. Ouais. Constamment. Fait qu'on était en mode survie pendant 5 jours. Fait que j'ai presque pas tricoté. Ouais. On dirait qu'on faisait juste se dire, OK, on a du chaud, on a du soif, on a du faim, qu'est-ce qu'on mange? On a évolué rapidement parce que dans les 7 jours, on a trouvé des meilleurs. 5? On a trouvé des meilleures façons de faire fondre la neige pour obtenir de l'eau plus rapidement. T'sais, on a raffiné notre technique. Fait que, tu sais, si. Puis ça, c'était pas pour la consommation, là. C'était pour pouvoir se laver puis faire partir la toilette. Ouais, parce on avait de l'eau, on avait de l'eau pour boire, là, on avait des cruches, mais on voulait pas gaspiller ça. Mais non, on ne gaspillera pas de l'eau potable pour se laver. Mais c'est ce qu'on fait à tous les jours. Mais on y pense pas. Ouais, mais là, au moins, il y a du puits artésien. Ouais, c'est ça. Fait que c'est C'est pas pareil, mais ouais, effectivement. Mais. On est rendu vraiment bon à faire fondre dans la neige. Mais là, je me disais, si ça arrive cette année, on a presque plus de neige. Là. J'y ai pensé cette nuit. C'est vrai, il faudrait pas. Faudrait pas. Mais ce qui est arrivé aussi, juste une petite anecdote là-dessus, c'est... On finira jamais le podcast. Hein. Oui, on va... Ben, ceux qui veulent arrêter, hein, faites off, arrêtez, là, puis c'est correct. On n'avait plus d'eau. Fait qu'on allait chercher de la neige dehors pour la faire fondre. Puis on n'avait rien pour se laver. Fait qu'on n'avait pas encore figuré ou était assez bon la première fois d'avoir de l'eau chaude. Tu sais, Andréane puis moi, à chaque matin, on prend une douche froide. C'est-à-dire, on fait juste mettre le fret dans le piton,
puis on reste en dessous, là, 2-3 minutes, là, tu sais, on se lave, mettons, là. On se lave pas. On trempe dans l'eau fraîche. Sauf que là, j'avais un seau canac, puis j'avais foulé ça de neige, puis je l'avais comme laissé dégeler à température pièce, mettons. On était sur le bord du foyer, mais on l'avait pas, tu sais... Ouais, pas figuré encore. Où on voulait se coucher, on voulait se laver, puis on voulait se coucher, puis on avait pas eu le temps que ça chauffe, tu sais. Fait que le soir, on s'est lavé à des barbouillettes, à dans glacée. Le seau de glace, froid. Fait que tu sais, on avait les mains congelées, on avait, tu sais, le corps frais, on était habitués, mais là, c'était pas pareil, parce que c'était comme juste vraiment des petites chutes de glace, là, tu sais, ça... C'était vraiment pas agréable. On avait un seau... Si on était le même soir, là... Ah, je sais qu'est-ce qu'on avait fait. On avait deux, on avait T'as tout mélangé. T'avais fait... Oui, on avait un pot d'eau comme tiède qu'on utilisait pour prendre... Un chaudron, là. Ouais, pour prendre le savon. Tu sais, parce que, tu sais, te laver à l'eau frette, c'est impossible avec du savon. Ça lave rien, ça enlève rien. Fait que, tu sais, on avait un pot, tu sais, que c'était comme, OK, là, tu rinces ta débarbouillette dans le chaud, tu te frottes, puis tu prends le froid aussi pour te rincer des fois, juste pour, en tout cas... C'est vraiment pas le un moment donné... T'as tout mélangé ensemble, je pense. Ouais, t'as ça voulu faire fondre la glace là, en mettant l'eau chaude dans l'eau froide. J'ai oublié ma sternique, l'eau, comment ça marchait. Là, Non, c'était pas agréable. Ouais, fait que on vous le souhaite pas, mais on a grandi cette expérience. On en est aussi venu à une conclusion que c'est très difficile d'évoluer quand tu es toujours en mode survie. Fait qu'en se disant, imagine si, mettons, il n'y avait juste pas d'électricité, tu sais, la civilisation arrête. Là, faut que tu fasses fondre ta neige, tu veux manger, fait faut que tu chauffes du bois, fait que ça te prend du bois, faut que tu le ramènes, faut qu'il sèche, parce que s'il sèche pas, ben là, il va avoir de la misère à chauffer, il va encrasser ta cheminée, fontaine nettoyer à tous les mois, et le feu va pogner dedans. Tu sais, il y a toutes sortes de choses à quoi qu'on pense pas que c'est comme vraiment acquis. Ouais, qu'on prend vraiment pour acquis, puis à quel point l'électricité, on l'utilise pour tout, là. Ah, tu sais, justement, ben là, c'est ça. Nous, en étant un peu éloignés, c'est le puits artésien, on aurait de l'eau si on était... Si on avait un système de ville, elle serait froide, mais on aurait pu avoir de l'eau. De l'eau, ouais. Ça, c'est le challenge de plus. Mais on aurait peut-être pas manqué. Mais non, j'allais dire, on aurait pas manqué d'électricité en ville, oui, parce qu'il y en a plein qui en ont manqué. Là. Ouais, c'était pas juste nous. Mais au il y avait pas de chaleur. Puis non, souvent, t'as pas de foyer en ville, t'as pas le droit. Fait que t'as juste fret. Fait que nous, on a pu au moins rester avec les chats. Ouais. Fait que ça a bien été. Fait que non, je pense on ne manquera pas cette année, on n'annonce pas. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vous dire un bon temps des fêtes. C'est le dernier podcast de l'année, évidemment. Ouais. Puis merci de nous écouter. Comme on vous a dit, c'est allé au-delà de ce qu'on pensait pour cette année. On s'attendait à beaucoup moins de tout. Oui. Fait que merci. Continuez de commenter. On va continuer à répondre à tous les commentaires comme on fait d'habitude, le plus qu'on peut. Puis... juste pour vous faire rire un peu puis finir, ça c'est le bug que j'avais fait que c'est tout, bye.